que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est aussi le but, c'est de pouvoir vivre au milieu de la société sans que les gens s'en rendent compte et que la société puisse aussi vivre avec ces personnes hébergées qui ont aussi beaucoup de choses à nous apporter. Ça fait donc 3 ans que nous faisons ça, avec pour objectif de déstigmatiser pour apprendre à vivre avec les autres et aussi pour que les autres apprennent à vivre avec les personnes qui souffrent de troubles psychiques et mentaux. C'est cette année une année un petit peu particulière pour nous. D'habitude, on faisait toujours nos événements à la mairie du 3e. Cette année, on les fait en ouverture vers l'extérieur, à la bibliothèque Marguerite Audoux, à la librairie Comme un roman. Cette année, le thème choisi a été la culture. Et pour nous, ça a été une occasion de se dire, au lieu de faire une conférence universitaire sur qu'est-ce que la santé mentale, on va essayer d'attraper le public par un thème, j'ai envie de dire, banal, par un livre, par une vidéo, par un choix culturel, par le fait d'aller dans un musée, dans une librairie, et de les prendre à ces endroits, et petit à petit, de leur faire passer quelques messages sur la santé mentale pour banaliser et justement déstigmatiser ces situations. Et c'est